Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau podcast. Donc dans cet épisode, j'ai pas eu trop besoin de chercher des infos ou même des petites news parce que je les ai eues toutes seules, ça m'est tombé tout seul dessus. Il suffit juste d'aller sur YouTube et de regarder un peu ce qui se passe, voilà, parce que je suis tombé sur des... Euh, on va appeler ça des énormités, voilà. Des énormités, du manque de connaissances, du... Euh... Je sais pas comment appeler ça, je vais pas être méchant, hein, parce que c'est pas mon genre et c'est pas le genre de la chaîne. Mais euh, je ne sais pas, bordel, putain, le Linux francophone sur YouTube essaye de se battre pour essayer de... de pour enlever les inepties qui sont pensés Ils me dit, eh bien, apparemment, non. Alors, je ne sais pas si les gens euh, regardent les vidéos de, du Linux francophone. Enfin, apparemment, je pense pas, parce que vu ce que j'ai entendu. Donc, voilà. Donc, on va aller voir un peu les pépites sur lesquelles je suis tombé. Allez, c'est parti donc, comme on peut voir, on a Solotech, quand même un bon gros youtubeur, voilà, qui s'est amusé à ramener à la vie un PC, je crois que c'était un sixième gène, voilà. Et euh, devinez ce qu'il a installé dessus. Évidemment, Windows 10, voilà. Et apparemment, euh, tout va bien, quoi. Hein, le PC à 8Go, c'est bon, voilà. Vous ne pensez pas que ce genre de PC aurait été mieux fait de le mettre sur Linux, voilà. Sachant qu'il n'en parle même pas dans la vidéo. C'est n'importe quoi. Voilà. Et en plus, je ne sais pas s'il a passé sur Windows 11, oh, je ne sais pas. Mais il n'a même, même pas même agrémenté pas à... le sujet. En plus, il s'est fait défoncer dans les commentaires parce qu'il y en a un qui a dit, euh, je ne sais plus, j'étais plié quand j'ai vu le commentaire. Est-ce euh, qu'on va le trouver Il a dû le lever parce que franchement, il a mis un commentaire et j'étais mort de rire. Voilà, Daniel aussi. Mais parents un vieux PC portable avec un i7 de 4 génération et un JDD de. Ouais, de chaque 4 génération, euh, Windows, ça va ramer à mort. Ce que moi, j'en ai. Voilà, changer de rajoute rajouter de la RAM, si possible, il y aura une nouvelle jeunesse. <laughs> passer Windows 10, hein Voilà, attendant, surtout à ce moment, avec toutes les merdes qui balancent de, de pub et tout ça, en peine le disque. Mais, mais voilà, quoi, il y en a un justement qui a, qui a fait un post sur Mastodon. Voilà, il ne comprenait pas qu'il avait une, une pub euh, directement dans le, dans le bureau, vous savez, pour acheter une manette Xbox. Voilà. Ça devient n'importe quoi. Ah, s'il est là. Voilà, vidéo bancale. Comment, en s'appelant Solothèque, on peut faire ce genre d'erreur Il suffit juste de mettre un clone de HDD sur le nouveau SSD. Il n'y a aucun souci de licence, signe de perte, de quoi ce que ce soit. Parce qu'en gros, il s'est pas fait chier. Il n'a pas voulu cloner son disque dur et il a tout réinstallé. Bon, bref, le commentaire n'est pas vraiment attrayant. Mais par contre, ce qui me tue, c'est que, euh, voilà, il n'y a aucun commentaire sur Linux, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Allez, bon, je ne comprends pas, quoi. On passe à la suite. Alors, la suite. Alors là, ça a été énorme. Donc, euh, c'est quelqu'un que je ne connais pas, qui a mis, 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 un peu plus de 1000 abonnés. Voilà, il s'appelle Distributed Universe. Voilà. Donc, euh, mais alors lui, c'est une pépite. Hein donc euh, il achète bon le début de la vidéo est nickel, pas de problème. Il essaye de trouver un vieux PC à 150 euros et en le faisant revenir sur Windows. Déjà avec le titre, déjà vous êtes mort de rire. Si vraiment euh, vous êtes connaisseur, vous allez vous déjà vous rigoler. Donc j'ai quand même regardé la vidéo. Et puis euh, ben, bon, le gars fait bien son boulot, il n'y a pas de problème. Mais euh, là où ça fâche, c'est vers la fin. Voilà. Donc euh, il se permet de réinstaller directement Windows 10. Euh, ça va ramer quoi, mais bon, je me suis permis de lui faire le, la petite réflexion. Et bien, euh, vous savez ce qu'il m'a répondu Je pense que vous allez rire. Voilà, donc il y en a un qui lui dit Voilà, la vidéo donne de bons conseils, mais il manque une information importante c'est un achat qui n'est valable que si la personne a quand utilisé ce portable pour une durée de 1 à 2 ans. Le monsieur Chevalier avait totalement raison. Car, vu qu'il n'est pas compatible Windows 11, il est bloqué sur Windows 10. Ce qui, euh, qui est pris en charge pendant deux ans. Tout à fait, parce que je suis code de Windows 25 Après, il a raison, il n'y a plus de mise à jour. Donc, ça sera fortement de conseiller d'utiliser. Je pense qu'il vaut mieux mettre un peu plus d'argent, genre 250 euros, pour vendre un processeur de 8e génération, genre i5, ou un Ryzen qui supportera Windows 11. Dans son commentaire, il n'a pas tout à fait tort, il est tout à fait, euh, tout à fait euh, dans l'actu, quoi. Alors lui s'est permis de répondre, alors oui et non, en réalité la fin du support de Windows 10 s'arrête en 2025, mais Microsoft a d'ores et déjà prévu une Windows 11 Lite, d'accord, donc vous m'expliquerez où elle est là, parce que même moi j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé, je suis pas mal de monde dans la tech, et euh, il n'a jamais été prévu de faire un Windows Lite, voilà. Euh, les Windows 11 qui marchent sur les machines, qui, sont, qui ne sont pas compatibles, c'est parce qu'on trafique l'histoire, vous savez, du TPMP, voilà, Mais le jour où Microsoft, ça va les saouler, vous savez comment ça va faire. Ça va tout bloquer et au revoir. Hein. Microsoft n'est pas là pour conserver des, des machines, il s'en a pour vendre du matos. Hein. Voilà. Qui permettra une plus large comp compatibilité. Non mais lui, il a révélé. Voilà, ça, je ne sais pas où il a trouvé, mais il va falloir qu'il me trouve la, 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 le truc. Et en plus, là où, où c'est encore plus fort, oui, après la fin du support de Windows 10, avec un bon antivirus, il est possible de continuer à assister le système d'exploitation. Bah, oui, non mais moi, je ne m'en serais même pas, tu vois. Parce que s'il y a des failles dans le système. Euh, voilà quoi, vaut mieux tout virer, mets Linux. Voilà, donc ton commentaire est plutôt pertinent, mais mais que d'une certaine utilisation. Voilà, non, 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 non. Alors moi je me suis permis de répondre. Euh, et Linux, merci de ne pas oublier, surtout sur des vieux PC. Alors là c'est là où on va commencer à rire Oui et non, Linux c'est pas sur des PC en particulier, c'est juste un accès accès de développeur. Voilà. Euh, je connais beaucoup de personnes ils sont pas développeurs ils tournent sous Linux merde quoi il connaît pas quoi c'est mort de rire quoi bon après personne s'est permis de remettre euh, pour Linux mais bon c'est dommage et après on va passer on va passer à la pépite à la pépite c'est tombé meilleur soir j'aime bien de temps en temps regarder un peu ce que fait Jigflow. Mais alors là, on est tombé sur une, sur une pastille, mais euh, écoutez ça. Etc., on a vu en un an, un an et demi se développer d'une telle manière. Ouais. Bon, voilà, Windows est déjà dedans. Le truc de tout ça, c'est que je vois très bien où ça va arriver. C'est Linux, euh, c'est les diverses distributions, etc. Je vous l'annonce d'avance, on gagne des performances. question, question voilà. de Banana, il avait aussi parlé de Linux, donc on fait un petit point dessus, voilà. On, 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 on va, on connaît les, enfin, on, on sait que c'est plus performant, etc. Maintenant, soyons très clairs. C'est quoi l'OS dominant ever actuellement Voilà, il veut besoin de faire de, enfin, on va se PC, fond, euh, PC. Voilà. Je parle. Alors, vous allez me dire oui. L'OS dominant, à cause de quoi Là aussi, je comprends pas que justement l'Europe il nous fait chier à vider nos poubelles ou acheter des voitures électriques, mais en attendant. Euh... Il y en a un qui s'en met plein les fouilles. Hein Deux, pardon. Apple et, et Microsoft. D'accord Donc, si tu es riche, tu achètes un Apple. Si tu n'es pas pauvre, tu te retrouves avec un PC sous Windows. Voilà pourquoi on fait chier euh, Android et Apple, pas le seul téléphone, pour mettre des stores alternatifs. Et on ne fait pas la même chose dans la mode du PC. C'est-à-dire que normalement, tu as ton PC. Tu devrais l'acheter nu. Et après, en fonction de ce que tu veux dessus, c'est-à-dire si tu veux un Windows 10, tu payes la licence qui est à peu plus de 100 euros. Et où tu mets un Linux, c'est que le Linux, euh, tu payes juste installation quoi C'est-à-dire que tu as un CD où on te l'installe et tu payes, à, tu payes juste installation Je ne vois pas ce que ça changerait un petit peu la donne. Si ouais. vous voulez l'utiliser avec Rufus, Rufus peut vous permettre d'utiliser un euh, Ryzen ouais. 1000 avec un, euh, avec un Windows 11. Ça marche. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je vous, vous, vous conseille d'ailleurs d'installer votre Windows via Rufus. Regardez un petit tuto, ça dure 5 minutes. Et vous allez, des fois, il y, y a des Windows 10 allégés directement. Donc euh, vous allez presque sur les pertes de Windows 7, enfin bah faut gagner quoi. Faites du refus quoi. <laughs> Mais pour... <laughs> tu sais, ça va être un slogan, tu sais. faites du refus. <laughs> Mais, euh, Mais oui, bon. dans, dans, en termes généraux, il y, y a des solutions euh, pour le faire. Maintenant, moi ce que je veux aller derrière, c'est... Euh... Demain, c'est pas, pas demain la veille que tu vas avoir un OS qui va arriver ta -da -da, un, et impossible. qui va euh, détrôner Windows quoi. Déjà parce Déjà, il faudrait que ça arrive, faudrait qu il faudrait qu'il n'y ait plus de PC qui soient vendus avec Windows, qu'on laisse le choix aux gens, voilà, parce que si on vendait des PC sans OS, j'aime autant vous dire que leur présenterait la facture, parce que si vous voulez véritablement Windows 11, normalement, la licence est à peu près à plus de 100 euros. D'accord Non, je pense que ça changerait la donne. Mais ça ne sera pas le cas, voilà, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens en Europe qui ne tapent pas là-dedans, que ça ne les dérange pas. Putain, un PC, c'est bizarre, c'est livré avec Windows, je ne comprends pas voilà, alors qu'on fait chier... Euh, on fait ch Par contre, sur le téléphone, c'est différent. On les fait chier un petit peu pour que les stores ne soient pas toujours les mêmes. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un député qui ait qui mis les mails là-dedans. Il faudrait que j'envoie un mail à Ruffin quand même. <laughs> on ne sait jamais. Eh, des fois, que ça bouge un petit peu de ce côté-là. Moi, j'y crois pas trop, mais bon. Voilà, forcément, ça ne change pas. Et Microsoft se frotte les mains. Parce que là, Linux, on le voit très bien. Hein. Euh, les gars, moi, de base, je suis développeur web. Hein, voilà. euh, euh, Linux, quoi, enfin, genre, non. C'est bien, mais il euh, faut, faut avoir un bac plus 3 pour commencer à l'utiliser correctement. Quoi. C est, c est... Alors, j'ai un CAP, voilà. Ma mère, qui n'est pas diplômée non plus, s'en euh, sert très bien. Elle tourne sur Zorin OS, elle a fait de l'Ubuntu, ça sert très bien. Voilà, ben, mon gamin qui est handicapé se sert d'un Linux aussi, il se sert de Pop OS, ça marche très bien. Voilà. J'ai plus confiance avec un Linux qu'avec un Windows, je cherche avec les conneries qui fait dessus. Mais euh, plus d'autres gens qui utilisent aussi Linux, qui font des, plein de choses et qui n'ont pas forcément des, des diplômes, des machins. Je pense que c'est une philosophie, voilà. C'est euh, devenu très très simple. Maintenant, Linux, il faut, faut arrêter avec ces conneries. Sachant que plein de gens en Windows, ils ne se servent absolument pas de toutes les fonctions qui y a dedans. Alors qu'avec Linux, c'est déjà livré avec euh, le traitement de texte, en fait, tout ce que vous avez. Et surtout que vos données ne partent pas dans le OneDrive, voilà. Alors que là, quand vous avez Microsoft, automatiquement, il faut rentrer plein de données. Mais là, vous n'avez pas besoin. Vous lancez votre Linux, si vous n'avez pas envie de renseigner l'adresse mail, vous ne vous renseignez pas. Voilà, vous êtes totalement anonyme avec votre système. Ce n'est pas votre système qui vous domine. Là, malheureusement, Windows, c'est le système qui vous domine. Il veut tout savoir de vous. C'est cool, hein. là je vais mettre à dos la moitié des utilisateurs Linux, mais... Oui, je pense oui, ça fait déjà. <laughs> c'est un peu trop compliqué pour la plupart des utilisateurs. Compliqué, bien sûr. Si tu savais le nombre de vieux qui tournent avec un Linux, avec leurs ordinateurs pourris, c'est des quatrième générations de chez Intel. Et d'ailleurs, les machines marchent. Même moi, j'en suis étonné des fois de voir des machines de cet âge-là, des fois qui ont plus de 20 ans. J'ai même là un ordinateur qui a... J'ai acheté quand ordinateur. 2012, 2012, il tourne avec un Zorin, Zorin OS Lite et il tourne très très bien encore. Voilà, j'y mettrai un Windows 10, mais ça ramerait à mort. Faut arrêter avec ça, faut arrêter. Voilà, non, on parle d'un truc euh, accessible à tout le monde, Linux. Accessible, c'est vrai que c'est pas accessible. Tu prends une distribution comme Zorin OS, euh, Linux Mint. Euh, bon, pour vrai, je vais le mettre un petit peu à l'écart, parce que c'est vrai que tout n'est pas, pas, euh, pas en français. Bon, c'est vrai que si un peu allergique à l'anglais, c'est un peu compliqué. Mais c'est une très bonne distribution, je m'en sers d'ailleurs, c'est avec ça que je m'en sers, ça. Et je pense qu'il y en a plein de distributions qui sont vachement accessibles. Voilà, il faut arrêter ces conneries, mais vraiment quoi. C'est encore trop fermé, trop compliqué à utiliser, même pour... Mais non, c'est pas fermé, c'est pas compliqué. Il y a plein de tutos, justement, on se bat sur le, le Linux francophone sur YouTube pour vous montrer comment c'est simple. Bordel de merde. Entre Vincef, euh, qui c'est qui ah, Mon bureau Linux. Je vais en oublier. excusez-moi, parce que j'ai oublié. Il y a Steve aussi qui fait des tutos, mais ils sont vachement simples et tout, on peut comprendre. Entre les podcasts... Tout ce qu'il y a comme podcast, le podcast des anciens avec qui je faisais le, le podcast en mode libre. Enfin Voilà, quoi. au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. C'est devenu vachement simple. Il faut s'y intéresser. Si vous n'intéressez pas que vous continuez à donner vos données à Microsoft, et bien, continuez. Comme après, ne vous, vous étonnez pas quand vous faites des recherches ou que vous recevez des mails bizarres. C'est normal. Pour Debian, même pour les, les distributions Linux, les c'est plus simple. Ouais, Debian, on va arrêter. Debian, c'est notre niveau. Il voilà. y, y a Ubuntu, Linux Mint. Marco Boto, c'est vrai que des fois ça déconne, hein, je ne conseille pas trop. Mais bon, Linux Mint, Zorin OS, Pop OS, euh... je ne sais plus, après il y en a plein d'autres. Tout ce qui est basé sur la base de Debian, voilà, il y a même euh, Manjaro, enfin voilà, donc... Euh... C'est vachement simple, il faut rater ces bêtises, quoi. Surtout, oui, c'est pour... Enfin, c'est euh... un... <laughs> trop dur, j'ai même pas de bac j'arrivais à me servir de Linux, quoi. J'arrivais à enregistrer à la télé, à monter, des... à monter un serveur télé tout avec la TNT, et j'ai pas de bac, j'ai qu'un CRP, bordel de merde. Euh, pour les, les early adopters, j'ai envie de te dire que oui, ça va. Vrai, ouais. Mais pour, pour, pour... Plus, plus, voilà. pour quelqu'un qui veut. Oui, c'est vrai que ma mère, c'est compliqué. Ouais. Pourtant, elle arrive à lire ses mails, à se gérer sa machine comme elle a envie. Et pourtant, elle n'est a... elle pas, pas ingénieure euh, informatique. Il hein. faut arrêter avec ça. Et Je connais plein de vieux qui s'en sortent très, très bien, mieux avec Linux qu'avec Windows. À partir de zéro, c'est complexe quand même. Voilà, donc on si tu veux gagner un peu de fer, certes, voilà, mais après, c'est. Parce qu'ils ne sont pas perdus sur un Windows 11. Moi, je suis désolé, j'ai commencé avec. Euh... Windows 3.1, j'ai fait du XP, j'ai fait du Vista, j'ai fait du 7, euh, j'ai fait du 10 aussi, mais euh, moi le 11 me perd totalement. Voilà, j'ai même pas envie. Il me dégoûte ce système d'exploitation, il me dégoûte. Vraiment. Tu tapes un truc, tu cherches un fichier, tu tombes automatiquement sur Internet. Non, non. Linux, non. c'est toujours de poser la question est-ce que ce jeu il va marcher Est-ce que cette techno va marcher Est-ce que machin va marcher Parce... Non, ça, faut arrêter. Il y a beaucoup de jeux qui marchent. Voilà. Le problème, c'est que ça dépend comment tu achètes tes jeux voilà Soit tu peux les acheter chez GOG, ça va être un peu plus compliqué, soit tu peux les acheter sur Steam. Sachant qu'il y a toute communauté maintenant qui, euh, qui s'est montée justement avec ça, avec ProtonDB, et ils t'expliquent comment lancer tes jeux. Et je pense qu'il y a assez de monde dans, les, dans le monde francophone maintenant pour aller chercher d'aide quand on a besoin d'aller chercher un jeu. Hein? Euh, parce que mon fils tourne sous Windows 11, il a acheté un jeu, il ne marchait pas non plus. Hein? Donc, euh, et pourtant le jeu était prévu Windows 11, mais avec leur tête de DRM et compagnie, le jeu était déjà bloqué et buggé. Donc euh, voilà, il faut arrêter avec ça, ça, ça aussi. Tout ce qui ne marche pas, c'est les jeux vraiment qui sont compétitifs, genre les Call of Duty et tout ça avec leur, leur putain d'anti-cheat. Mais ça, c'est pareil. S'il y a plus de gens qui vont sous Linux, automatiquement, ça va changer la donne. S'il y a plus de PC qui sont vendus sous Linux, automatiquement, ça changera tout. Mais tant que ce ne sera pas le cas, ce sera compliqué. Parce que tu ne sais pas si c'est compatible avec Linux à chaque fois. Quoi Moi, je vous laisse aller voir, euh... aller regarder euh, sur. Euh... Le SteamOS, là, qu'ils ont recréé, c'est... Euh... Parce qu'il y a le SteamOS officiel, mais qui ne fonctionne pas sur Windows, qui n'arrive pas à l'installer facilement. Oui, non, 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 non. Le SteamOS, tu ne pourras pas l'installer sur Windows. Il faut partir sur une, sur une machine propre. Il y a eu euh, ChimeraOS et euh, Basel, où je ne sais plus Steve a fait une vidéo d'ailleurs, et plein de YouTubers, qui te permet justement de, quand tu as une carte NVIDIA, de pouvoir l'installer. Sinon, euh, si tu veux vraiment installer ChimeraOS, il faut avoir une... Euh... Une carte AMD, sachant que dans le podcast de Vincef, TKG a à, Gilles, à Kossi, de ne pas l'installer. Voilà, donc ne l'installez pas. Installez-vous une distribution Linux, vous vous mettez en mode big picture et puis vous avez exactement la même chose. Voilà. ils, okay. ont, des... ils ont déjà fait un truc euh, qui le recopie au final, tu vois. ouais. oui. Euh... <laughs> dans les trucs, parce que les pilotes Nvidia sont complètement what the fuck à installer et à faire en compatibilité. Ah bah oui. Et tu vois le dev qui a écrit dans, dans, les... dans les... Et c'est écrit en gros... Nvidia voilà. <laughs> je vous laisse deviner qu'est-ce qui commence par un F voilà et, euh... <laughs> et là, tu te dis bon bah tu as compris euh, l'idée du l'idée de la compatibilité quoi et c'est là où tu arrives à, à te dire si des mecs qui font pour que ce soit open source et que ce soit de manière voilà ça aussi une distribution comme Ubuntu Linux Mint popOS font des euh... le seul qui propose c'est PopOS fait des distributions spécialement pour euh... un une iso spécialement pour Nvidia moi, je suis équipé de Nvidia, ben, je prends l'ISO qui est spécialement se fait avec les pilotes. Et je n'ai pas de problème graphique de, de, pour pouvoir jouer au jeu. Voilà, bon, c'est vrai, j'ai des jeux qui ne passent pas. j'ai voilà, Genre Forza, il ben, ne faut pas y compter. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a un bug là-dedans, mais voilà. Mais bon, sachant que c'est en train de s'arranger la situation. Ils, sont à, ils ont commencé à balancer des choses dans, dans le domaine public. Donc, on va y croire, mais voilà, mais c'est en train de se, de se régler le problème open pour tout le monde si eux déjà ils galèrent je te laisse même pas imaginer monsieur oh, non, tout le non, monde non. qui Non, on galère pas faut arrêter mon gamin joue sous Linux il galère pas voilà il y a quelques jeux je veux pas mentir il y a quelques jeux qui posent problème mais il faut arrêter depuis 4 ou 5 ans début je dis pas c'est la merde c'est vrai que début c'était la merde mais maintenant c'est fini ça devient très très simple il y a très peu de jeux qui ne fonctionnent pas voilà et comme je vous dis justement si vous allez pas voir les gens et que ça bouge pas ça va bouger Essayer de l'utiliser, ça va être complètement possible. Donc voilà, pour répondre vite fait à la question, euh, ben on ne sait pas. Pour nous, on pense qu'il n'y aura pas d'OS qui, avant au moins une dizaine d'années, qui arrivera à contrecarrer un Windows tant temps qui continue. Ça, pour que ça arrive, il faut déjà euh, changer la donne. Il faut arrêter de vendre des PC avec euh, Windows préinstallé. Voilà. Et quand ça, ça aura changé. Une euh... sortie des nouvelles versions. Euh... Mais, mais Linux reste une option qui est encore aujourd'hui trop compliquée selon nous. C'est pas trop compliqué, bordel de merde. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Si tu sais monter une carte graphique et te monter un PC, ce n'est pas compliqué. <laughs> du tout. Voilà. Eh, faut arrêter ça, je connais des vieux qui n'y connaissent absolument rien d'informatique, ils arrivent à servir dans Linux, donc c'est bon, faut arrêter les conneries avec ça aussi. Hein. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que certaines vidéos, euh, comme la RAM, comme certains overclocking d'autres choses, parce que là on peut revenir là-dessus, mais euh, ouais. même sur euh, More Power Tool, il y a des trucs que euh, alors je sortirai sûrement un jour, vous verrez comment, mais euh, <laughs> ce sera moins euh, tout public, et c'est compliqué d'arriver sur un truc tout public sans ouais. que euh, n'importe ben, qui aille dessus en se disant vas-y ça va être simple. Ouais, la vidéo et vas-y t'arrives bimbambo mais tu... T... Non c'est pas possible. Non. Et euh, le truc c'est que derrière, euh, ben, tu vas te retrouver avec un nombre impossible de gens qui vont finalement soit te planter, soit avoir un problème, soit avoir un truc. Soit... C'est pas, pas possible non plus. Ouais. Donc c'est ça derrière qui va comme avec le Linux, tu vois. Si tu fais un truc, il faut qu'il soit... Open à tout le monde et simple. Et déjà Windows, les gens galèrent, alors je vous laisse imaginer. Ouais, euh... Justement, lâchez votre Windows, si déjà vous galérez, venez faire un essai sous Linux. Voilà, déjà je pense que vous allez être surpris. Ouais. Ouais, exactement. Linux, quoi. Ouais, alors, des fois, on nous pose des questions vraiment trop basiques pour se dire, euh, le, le pauvre gars, s'il est sur Linux, il va être paumé dès la Et... première utilisation, quoi. Faites un essai, bordel, arrêtez vos conneries, bordel de merde, c'est vrai que vous êtes moi, moi le Windows 11 me pomme, je vous dire, pourtant j'ai goûté du litchi du, du Windows, moi il me pomme le Windows 11. Ouais, ouais. Ouais. Parce que vous, on le voit nous derrière une communauté tech, ça veut dire que vous regardez nous vous regardez, euh, vous regardez euh, en général la tech, vous êtes intéressé par la tech, si ce n'est pas moi que vous regardez, vous en regardez d'autres et euh, derrière, je veux dire, c'est un truc pour vous qui vous paraît totalement euh, normal. Mais je peux ouais. vous dire que j'ai déjà eu des questions, des fois, je me suis dit, bah, ça me paraît tellement logique. Mais pour moi, ça me paraît tellement logique. Parce, mais... Mais oui, parce qu'on est dedans depuis plusieurs dizaines d'années, pour certains. Voilà. Là, est... On ne peut pas dire au mec, euh, t'es bête. Euh, non. non. Ça, je ne suis pas d'accord, c'est dans n'importe quel domaine. C'est pas forcément dans l'informatique et ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être applicable. Ça. En fait, c'est pas possible. Genre, non, et. Le et, bourguer, et il ne connaît pas. C est, c est et justement, comme ça. et je reviendrai là-dessus encore. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo. Il euh, y a une vidéo qui circulait à l'époque sur Internet où il y, y a une femme qui appelle, euh, qui appelle son mec qui lui dit Je comprends pas, il y, 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 y a la voiture qui manque d'huile. Voyant, mais le mec dit C'est pas grave, tu t'arrêtes la une station de service, tu achètes un bidon d'huile. Et le capot, vous savez, verser versé de l'huile sur tout le capot, enfin, sur tout le moteur comme ça. Voilà, c'est dans tous les domaines. Faut arrêter ça aussi dans tous les domaines, que ça soit mécanique, alimentaire ou tout ce que vous voudrez, ou pour monter un meuble. Voilà, il y en a qui vont acheter un meuble à confort à main, ça faut le monter. Au Ikea, ça faut le monter. C'est la même chose pour taillardi, c'est expliqué. C'est pareil. Encore pour terminer, tu vois, encore une fois, quand je dis, euh, c'est à vous de pousser le truc, de, de faire en sorte que les gens n'achètent pas les bons produits, machin, etc., et que vous les conseillez correctement, machin. aussi votre taf, Ou pour les, ça, les technos, ben, finalement, à travers, enfin. Alors attention, c'est parce que je, voilà, encore une fois la propagande Gigfio, la propagande. Ah ouais. Ne me, pas <laughs> di... ne me <laughs> faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Voilà, c'est ce que <laughs> mais que ce soit à travers mes vidéos, les vidéos des autres créateurs de contenu en termes de général, ce que je veux dire. Ouais, vous ouais. allez pousser euh, le, le fait, idées. voilà, le fait de bien faire, ce que je veux dire. C'est ça. Il faut aller chercher justement le fait de d'aider la personne, etc. Enfin, ça me paraît beaucoup plus. Et c'est comme ça qu'on arrivera à, à voir, euh, parce qu'on va pas se mentir, en France, là-dessus, je, bah, je, je vais pas dire qu'on est, qu est des arriérés non plus, tu vois. Euh... Non, mais on est largués, moi je le dis, hein, clairement. Il, hein, est... il y a là une paire de personnes qui sont larguées complètement. Ça se, ça se voyait même à la généralité par rapport euh, aux recherches Google, il me semble, ou un truc ouais, comme ça, euh, où on voyait par rapport à, au nombre de. Pourquoi ça Pourquoi Parce que les gens ont été tellement infantilisés, voilà, donc euh, c'est pour ça qu'on en est là aussi. Voilà, c'est bien de s'intéresser à ce qui se passe autour de, autour de soi, autour de ce que tu as chez toi, et voilà. C'est pour ça, les gens ne s'intéressent plus maintenant, donc forcément, on y, on y est, quoi. Donc, euh, les gens ne savent... Il y a beaucoup de gens, maintenant, qui ont pu faire des choses par eux-mêmes, et c'est pour ça qu'on en est là. En gros, par rapport au pays, vite fait, un petit point là-dessus, en France, on avait des... Vous savez, il y a des recherches Google. Mais en France, en gros, les recherches, c'était PC Gamer, Setup, cher, des trucs comme ça, et FG en Allemagne... Bid. Voilà, et en Allemagne, les recherches, c'était en mode euh, 4090 vs 4070 ou euh, telle carte mère vs telle carte des trucs ultra précis de ouf. Et c'est là que tu te rends compte que nous, on en est encore euh, à se dire, euh, achète le PC prémonté chez Leclerc ou pas, quoi, en gros. Oui, non, mais t'as totalement as as voilà. raison, et tu sais que... Je... Je... On s'en est plein euh, il y a encore de ça pas si longtemps, tu vois. Mais ça <laughs> on continue, il faut continuer à force de rabâcher. Il Il faut comprendre. Voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi un peu euh, indirectement votre taf de, de dire aux gens comment faire, etc. Et pour mmh. qu'on ait une commune plus pointue et pour que vous sachiez mieux faire les choses. Oui, ouais, clairement. C'était un très beau discours que nous avons tapé la dessus Oui, non, mais enfin, c'est un simple. Mais... Bon, on va être à la fin là-dessus, je sais pas, je ne la absolument pas <laughs> du tout. Ils ont été euh, très bien, juste pour, euh, que pour que euh, pour voilà, c'est dommage de, de faire un a priori, de tourner les choses comme ça, voilà, de dire bon menu que c'est pas fait pour les débutants, si ça peut être fait pour les débutants. Il y a certaines distributions qui le sont, d'autre pas. Voilà, mais c'est comme tout, faut tester. Si vous testez pas, vous n'y arriverez pas. C'est comme quelqu'un qui est qui j'ai une, autre... une chaîne aussi de mécanique, je faisais beaucoup de vidéos à une époque. J'y par une voiture, pourtant je suis pas mécanicien, mais parce que je suis allé chercher l'information. Au bout d'un moment, voilà, les gens, il faut qu'ils s'apprennent d'eux-mêmes. Si vous apprenez pas d'eux-mêmes, ils ne a, il a pas de comprendre. Mais il faut aussi que l'envie que vienne de la personne. Mais là, justement, le fait que Windows 10 ne sera jamais détrôné, si, mais il faut que déjà à la base, justement, on a des gens qui sont élus pour ça, qu'ils aillent se battre pour qu'ils arrêtent l'inimogie de... Je ne sais pas ce qu'on dit comme ça. Mais qu'ils arrêtent de dire, bon, mais un PC, ça devrait être Windows. Non, MPC à la base, c'est un PC. Ça reste une carte-mère, un processeur de la mémoire et une carte graphique. Voilà. Après, tu peux mettre ce que tu veux dessus. Tu mets un Linux euh, ou un autre système. En fait, ce que tu veux. Ça ne va pas être vendu spécialement avec Windows. Et ça, il faut que ça s'arrête. Voilà. N'allez pas insulter les youtubeurs, c'était juste euh, le fait d'avoir relevé. Juste au contraire, mettez des commentaires comme moi j'ai fait pour leur dire voilà, ça non, je ne suis pas d'accord. Voilà, on peut très bien discuter sans, sans être insolent et sans insulter. Parce que moi, je suis pas pour l'insulte, D'accord Voilà, bon, sur ce, ben, je vous dis euh, à la prochaine. Voilà, et le Linux soit vous et force à Linux. Voilà, on y arrivera un jour ou pas. Voilà, allez, à la prochaine. Ciao